Loué soit Jésus-Christ, né d'une vierge, la Vierge Marie, homme très chaste, la pureté même, sa paix soit avec vous. Avoir des relations sexuelles avec des fillettes est institué par Allah lui-même et s'appelle en pratique imiter le prophète. En effet, Allah lui-même légifère au début de la sourate 65, verset 4, au sujet de la répudiation et établit que les épouses ménopausées, comme les épouses non encore pubères, sont soumises aux mêmes dispositions que les épouses qui sont non ménopausées ou déjà pubères. Nous lisons dans le hadith de Sahih al-Bukhari et Muslim le témoignage de Aïcha, l'épouse préférée de Mohammed, qui dit ceci. J'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut des relations sexuelles avec moi. Mohammed en avait alors 52. Ce vice immonde est encore légalement pratiqué dans nombre de pays musulmans comme l'Arabie Saoudite ou le Yémen, bien qu'il ait déjà été interdit par les Romains 1200 ans avant la naissance de Mohammed.